Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Xenoverse 2. Nous sommes sur PC, nous avançons sur la suite du combat contre Golden Freezer avec les Super Saiyan Dieu. Alors, je suis toujours malade au passage, hein, du coup pas de caméra. Et surtout des épisodes un petit peu plus courts. Ah, je croyais t'avoir battu. Ah, il est redevenu à un niveau normal. Intéressant. Il va pas recommencer. Oh, il recommence. Oh, mais non. Ah, quand il perd, tout ce qu'il arrive à faire, c'est détruire la planète pour mettre soi-disant en danger les gens. Ouh, c'est pas passé loin. Ah, je vais le laisser parler. D'accord. Les choux à la crème. Mouais. Pourquoi tu me regardes quand tu le dis? Pff, oh là là là, c'est triste. Mais c'est débile! On parle de temps! Ils sont remontés dans le temps, donc ça veut dire qu'ils... Mais... Dans l'histoire originale, on est allé dans un pan du temps où ils viennent pour remonter le temps. Du coup, c'est pas parce qu'ils sont là à notre époque à nous qu'ils sont pas là à leur époque! Oh là là, mais en plus, il y a des erreurs... Oh, mais non, mais c'est triste! Ouais, ouais, bon, c'est bien fait avoir. Moi aussi, j'ai l'impression de me faire avoir avec ce jeu. C'est tout ce qu'elle demande. Dieu de la destruction, énergie des dommages. Mouais. Alors, je vais peut-être juste faire un petit truc, chers amis, au passage, moi. Hop. Alors, attendez. Crac. Voilà. Hop. Je monte un petit peu le son du jeu. Voilà. On verra bien. Alors, la suite. Est-ce que ça va être aussi intéressant ? On va devoir les couvrir, c'est ça, j'imagine? Il y aurait bien Mira qui va venir aussi sec. Ou peut-être le Bardock. Eh ben non! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, d'accord. De nouveaux méchants. Terrifiant, les frères sont de retour. Oh, les noms d'épisodes, quoi. Ils sont stylés, cela dit. Permettez, hein, je vais... Non, c'est pas ça que je veux faire. Je vais charger mes coups, hein. Voilà, personne ne m'a dérangé. Commençons par Freezer. On verra son grand frère ensuite. Le cadet d'abord. Merci. Tiens, retourne sur la planète. Directement au sol.
Oh, quel dommage, j'ai raté. Boum. Voilà, t'as plus d'endurance non plus. Ah vache. Crac. Moi je récupère la mienne sur toi. Ah, c'est parce que Monsieur Vegeta était là. Crac. Boum. Raté. Boum, ça c'est fait. Et de 1, où sont les autres? Là-bas, métal couleur. On n'a qu'à y aller en douceur. Hop, j'ai rien dit. La douceur, c'est pas pour moi. Boum. Ah, oh, quel dommage. Ah. Merci à toi. Merci encore. Bien. Encore une fois, merci à toi. Et voilà, c'est bon, j'ai récupéré toute mon endurance. Quel dommage. Hop. Ah, je voulais passer un. Bien, bien, final. Et ça passe, ça le met KO. Parfait. Donc, transformé avec attaque ultime, je devrais pouvoir avoir un bon petit rang là. Je pense. Un rang B. Et il n'y a même pas le transformer avec une attaque. Finaliser avec une attaque ultime. Je suis déçu. Je suis complètement déçu. En plus, j'ai plein de points par contre, il faudrait que je pense à les mettre. Alors, la suite. Je suis dans le sol! Mais ce jeu est bugué! D'accord. Il y a du vrai là-dedans. Ah bah je veux bien que tu viennes mon maître, cela dit. Salut. Ah, ils sont sympas. Et on remarque qu'il est toujours aussi sympa, lui. Ah, ça va faire un maître sympa, ça, je pense. Ça va être rigolo. Et puis quand on va arriver dans les combats, je vais en chier, comme d'habitude. Mais c'est pas grave. Je sais. Merci. Merci, merci, je t'en prie. Non, désolé, tu n'auras pas de chou à la crème pour tout de suite. Oui, ça me dérange. T'as des poils sous les bras, ma pauvre. Regardez ça, elle a un truc bizarre sous les bras. Non, c'est ses cheveux qui traversent. Tu sais choisir tes mots, clairement, ouais. C'est... Il y a du vrai dans ce qu'il dit. Hein. Ah, bah oui, une fête. Ça devrait être bien. Il pourra pas faire le poids. Ah, on voit une idée qu'elle est bonne. La tronche qui se tape. Non, par contre, si vous voulez emprisonner Trunks, je peux aider. C'est Trunks qu'il faut emprisonner.
Il va encore détruire des choses, par contre. Oh, avec plaisir! Ah bah je veux bien, moi, y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Je veux bien avoir le Super Saiyan God, moi, hein, y'a pas de soucis. Hein. Ce qui ne veut pas dire que c'est un God Miché qui devient, dont les poils s'hérissent et deviennent blonds en cas d'action. De durs combats sans venir, tout entraînement est bon, on apprend. Oui, c'est pas faux. Non mais j'accepte, personnellement j'accepte. Une convocation carrément, j'ai l'impression de repasser le bac. C'est terrible. Ou BTS d'ailleurs. Enfin bon. On va quand même aller voir d'abord s'il n'y a pas un nouvel entraîneur qui s'appellerait Sangoku dans le coin. Ah, y'a personne. Il y a un événement chez Capsule Corp. Ouh ! Ouh, je veux ! Alors, j'ai pas vu de nouveaux entraîneurs sur la carte, cela dit. Ce qui me fait un peu chier, je l'admets. Il me semble pas qu'il y en ait de nouveau. On va aller voir cependant toutes les petites missions secondaires qui sont apparues. Ça peut être sympa. Alors, dont une dans le petit trou. Si je peux bien attendre ce petit, donc c'est lui. Je savais qu'il allait finir par y avoir quelque chose ici. Mais alors quoi ? Oh, c'est toi, ça tombe bien, je te cherchais. Eh, tu connais Monsieur Satan ? Bon, tant pis. Si tu étais de la Terre, tu le connaîtrais sans aucun doute. Quelque chose cloche chez lui, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant que d'habitude et il est déchaîné. Même Sangohan a du mal à l'affronter, quelque chose d'étrange est en train de se passer, j'en suis sûr. Quoi qu'il en soit, nous devons l'arrêter, aide-nous s'il te plaît. D'accord, bah Monsieur Satan. Balle de pierre, d'accord, tenue de Videl. Ok, bon, on va aller voir ça. S'il est si dur à battre que ça. Qui sait, hein, peut-être qu'il est super puissant maintenant et qui peut one-shot un Super Saiyan God. Hein. Monsieur Satan est numéro 1. D'accord. Number one, t'es... Oh la vache, c'est une tenue de Sangoku, ça. C'est une attaque de Sangoku, pardon. En fait, ce qui crée un malaise, c'est qu'on est tous en train d'attaquer, en fait. Hop, laissez-moi le battre. Boum, ça y est. J'ai le droit de le frapper. Ah, je me suis encore fait avoir. Super Saiyan 3. Oh là là, il est balèze ce monsieur Satan, dis donc, ouais. Merci à toi d'être passé par là. Crac, une deuxième. Eh ben merci d'être venu dedans tout seul. Ah là je l'ai loupé. Boum. Il est où? Je l'ai même pas vu disparaître. Allez boum. Et c'est fini pour Monsieur Satan. Ah. C'est fini? Ah non! Le retour! Non? Ah, je m'en doutais. Alors, où es-tu? Boum! N'empêche qu'il est balèze, hein! Il est hyper balèze ce monsieur Satan. Mais c'est quoi cette attaque? Il attaque tout le monde. C'est hyper stylé. Non, je pensais que ça passerait pas. Ah bon bah d'accord. Excuse-moi Goten. Je t'empêche de t'amuser. C'est... Je suis désolé. Alors ce genre de coup ça sert à rien quand t'as trop de monde.
Boum. Ça c'est bien défendu là. Crac. Là tu l'as senti celui-là normalement aussi. J'ai pas réussi à le faire très longtemps. J'ai pas de souffle. Désolé. Mes classiques ne passent plus. Mon dieu, il a eu Sangoten. Hop. Oh, comment j'ai pu le louper? Habituellement elle passe celle-là. Jolie défense. Merci à toi pour cette endurance. Et ça va être fini. Non. Là c'est fini. Oh c'était propre le combo final. C'était complètement propre. Ah j'ai eu qu'une victoire classique. J'ai pas eu une victoire Oh je suis vexé. J'ai pas eu une victoire ultime. Oh merde. Oh, je suis vexé. Ok, bon. Super, on a réussi. Merci infiniment pour ton aide. Nous n'avons pas réussi sans toi. C'est gentil de le dire. C'est bien d'admettre la vérité des fois. Le mec qui en rajoute une couche à leur incompétence. Alors. Au niveau de là-bas. Tout en haut. Ok. Il y a celle. Apparemment, c'est le nom de Monsieur Barak. D'accord, bonjour Barak. Oh là là, tu as une sale tronche. Je suis le chef, la chef, LA CHEF des Nuts Gang. Et tu m'as bien énervé, il est temps de te faire payer. Oula. C'est du 1v1 ? Oh bah ça devrait passer alors. Mais la chef ? T'es sûr ? Vous trompez pas là ? Ah ouais, c'est un gros sac à PV par contre, elle, hein. What the... Oh la vache. Merci d'être passé. Encore une fois, merci. Merde. Hop. Ça passe. Ça passe aussi. Là ! Tu peux retourner là d'où tu viens, y'a pas de soucis. Alors ? Tu peux repartir une fois de plus, hein. Oh, joli ! Jolie défense ! Hop. Et c'est parti. Oh bah ça pouvait faire que très très mal ça. Il a pas bougé d'un pouce. Eh ben je lui ai bien mis une belle branlée là. Le pauvre. Ce qui est incroyable c'est de dire que les combats d'avant étaient limite infaisables. J'ai tellement de points à mettre par contre. Les combats d'avant étaient infaisables et celui-là est d'une simplicité enfantine. Ah, qui es-tu? Comment ai-je pu perdre face à toi? Peu importe, il est temps d'assumer nos erreurs, le Nuts Gang est dissous pour de bon et sur le champ. Tu es libre de faire ce que tu veux de nous. Quoi? Tu veux qu'on devienne de vrais policiers du temps? Je suppose que nous n'avons pas le choix si c'est ce que tu veux. Très bien, nous ferons ce que tu demandes. Oh, une Dragon Ball. Ah, il avait quoi dans le dos? Une espèce de hache, d'accord. C'est la hache de Gyumao, non? Je ne sais plus. Je crois. Hop, le dernier petit combat. Enfin, la dernière petite mission secondaire qui est ici. Qui va se trouver donc au niveau de Raspberry. Voilà, c'est bien ça. Cool. Êtes-vous de la même race que Vegeta? Vous feriez bien de vous faire attention si vous tenez à votre planète. Mon nom est Raspberry, pardon, excuse-moi, c'est un nom à la con. Je suis en mission spéciale sur ordre du Seigneur Freezer. Vous arrivez à point nommé, j'avais quelque chose à vous demander. Si vous acceptez de m'aider, je vous laisserai la vie sauve. Voulez-vous coopérer? Pouvez-vous vous opposer à moi? Je préfère que vous savez ce qui est mieux pour vous. Oui. Bah, tous les ennemis, d'accord. L'or symbolise mon retour et la pause finale, d'accord. Ok, je sens que ça va être très très dur cette histoire. Ok, c'est parti, si on n'y arrive pas, tant pis.
Et j'ai oublié de mettre les points. Merde. Oh, fait chier. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. La suite. Patrouille galactique en avant. Aujourd'hui, on effectue la patrouille, une patrouille sur Terre. Enfin, le bleu est sous ma juridiction, compris? Hop. Écoute, je suis en train de faire un combo de 27 coups jusque là. Ok, ça devrait te plaire ce genre de combo normalement. Boum. C'est pas lui qui a de l'intérêt pour moi. Hop. Merci à toi. Encore une fois un grand merci. Ah, quel dommage. Et voilà, tu peux plus le faire maintenant. Oh, quel dommage. Est-ce que ça peut le tuer ou pas? Non, ça lui fait pas de dégâts, quel dommage. Oh. Oh, sans me regarder, t'es sérieux? Ok, et le dernier. C'est quoi ce bordel? Il m'attaque sans me viser en plus. Ça fait mal? Oui, tant mieux, ça fait pour. Oh merde. Voilà, merci d'être passé. Ah non. Je t'ai sauté par-dessus. L'humiliation. L'humiliation. Ah, oh, je voulais l'humilier jusqu'au bout. Boum, c'est fini. Crac. Bon, ça c'est fait. La suite. Ça va être par là. Hop. Et nous sommes partis. Bon, jusque là, c'est pas trop dur. Mais le fait qu'ils disent l'or symbolise mon truc, là, je crois, ou un truc comme ça. Oh, d'accord, il y a les... Ah, j'estime que c'est pas bon signe. Hop. Ah, j'aurais dû l'avoir venir, je savais pas ce que c'était qu'il faisait. J'ai pris beaucoup de dégâts pour rien. Ah. Merci à toi. Et voilà. Je vais rester longtemps ralenti. Ah, ça fait mal. Ça aussi ça fait mal à mon avis. Oh là là. Ok, combien de temps je vais rester ralenti et empoisonné d'ailleurs? Oh, bien joué, Guldo. Non! Non! C'est dans son dos, le pauvre garçon. Merci. Ah, je me fais attaquer. Ça, ça me rappelle quelqu'un qui vient faire ça. Ah non, j'ai tout gaspillé, bêtement. Hop, voilà, c'est mieux. Ah, mais tu peux te calmer, s'il te plaît? Rikoum. Ah mince. Je suis empoisonné, je sens que ça me fait des dégâts quoi. Bien joué. Non, alors là je suis pas d'accord.
Pas me faire rect par Guldo, c'est pas possible. T'es sérieux là? Je suis gelé. Pour une raison que j'ignore, je suis gelé. Eh ben non, j'ai pas eu le droit. J'ai pas eu le droit. Échec. J'ai pas eu le droit de me redresser une seule fois depuis une demi-heure là. Bon, bah tant pis, bah écoutez, chers amis, on va la refaire, je pense, dans le prochain épisode en tout cas. Merci d'avoir regardé celui-ci, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yop!